Bonsoir tout le monde, et ravi de vous retrouver pour cette conférence de traverse dédiée aux classes sociales en France. Voilà, alors j'ai mis un certain temps à l'écrire, elle est extrêmement longue, c'est un sujet qui est un sacré chausse-trappe parce qu'on a toujours l'impression d'oublier quelque chose. Donc je vous en livre une version, mais peut-être elle changera, elle aura vocation à changer d'ici là. Le passage à l'écrit. Ben je me lance. Les classes sociales. En tant que sociologue, puis-je m'autoriser à décrire la France sans décrire ses classes sociales? Oui et non. Non parce que les classes existent et que les rapports de force entre les classes dessinent en large partie ce qu'est le pays. D'ailleurs, cette conférence est dans le chapitre consacré à l'ordre intérieur. Oui, dans la mesure où je ne souhaite pas produire dans ces lignes une analyse rigoureuse des rapports de classe et des rapports de production qui habiliterait à la description d'un mode de production. D'une part, je ne dispose pas du matériel, peut-être même de la compétence pour produire une telle analyse. D'autre part, j'ai un rapport particulier à la théorie de l'histoire de Marx, qui utilisait et qui... chapeaute en quelque sorte l'usage de la théorie des classes dans la pensée marxiste. Il me semble qu'on ne peut pas faire sans la théorie de l'histoire, le matérialisme historique, mais qu'avec ce seul outil, on ne peut comprendre complètement la santé des corps sociaux. L'organisation matérielle du travail a sa dynamique propre, mais la culture aussi a sa dynamique propre et profonde. Il existe probablement aussi des politiques inconscientes du symbolique, mais ce serait trop long d'en parler. Ici, je veux me contenter de décrire les classes sociales telles que je les rencontre dans mon travail et dans les traversées que je vous propose ici. Tout en rapportant toujours ces groupes à leur rapport de propriété, à l'outil de production, ainsi qu'aux différents types de capitaux définis par Bourdieu, capital social, capital économique, symbolique, culturel, etc. En faisant cet exercice, comme en passant, je souhaite aussi mettre en lumière une chose que, de mon point de vue d'enquêteur, on aperçoit fort bien, c'est-à-dire les différentes manières, les différentes façons de nier sa classe ou de refuser d'appartenir à telle ou telle classe. Évidemment, dans ces cas-là, c'est plus le fait anthropologique qui m'intéresse que l'éventuelle intention ou la motivation individuelle de la personne, ce qui relève du travail de mes confrères psychologues. Encore une fois, vous ne trouverez pas ici de liste exhaustive des classes en France, mais simplement le paysage des classes qui se dégage de mes traversées en France. J'aurais pu parler des auxiliaires de vie sociale, des infirmières, des chauffeurs de taxi, des ouvriers, ainsi de suite, à l'infini. J'ai plutôt cherché à illustrer par un métier, par l'histoire d'une personne, les classes qui jouent un rôle dans les missions qui me sont confiées, dans mes recherches d'anthropologie. Bon, on commence par les grands bourgeois. Dans le fond, ce sont les possédants, ceux et celles qui possèdent et qui vivent de leur possession. Mais dire cela, c'est dire trop peu. Ils et elles possèdent tout, c'est-à-dire aussi bien les sols, les bâtiments, les propriétés, les châteaux, les immeubles, les forêts, les chasses, mais aussi les avions, les hélicoptères, les yachts, mais encore souvent indirectement des entreprises, des marques, des usines, des brevets, on en oublierait presque de dire des fortunes. Ils possèdent la terre, l'eau, le feu, la connaissance, les moyens de transport et d'influents relais dans le champ politique. Et en un sens, ils possèdent les possédants. Ils possèdent le temps gratuit des salariés qu'ils font employer et qu'ils exploitent, c'est-à-dire à qui ne payent qu'une partie de la valeur produite par leur travail, afin de pouvoir faire des bénéfices. Ce faisant, ils ont un impact direct sur la vie des Français. Ils possèdent le cadre, mais aussi, en un certain sens, un droit de propriété sur tout ce qui circule. Vous possédez votre yaourt dans votre frigo. Eh bien, les grands bourgeois, la classe des grands bourgeois, possèdent le pot de yaourt avant de vous le vendre, le distributeur, le transporteur, mais même le déchet que vous allez produire quand vous aurez jeté votre yaourt. En d'autres termes, le pot de yaourt a appartenu à Danone et il appartiendra à Veolia. C'est vraiment, voilà, c'est la possession, quoi. Alors,
Posséder, ici, est un grand mot. Qu'est-ce que cela veut dire de posséder une entreprise dont le résultat équivaut au PIB d'un pays? Peut-on réellement en jouir? On peut vendre cette possession, comme on peut vendre le pot de yaourt et comme on peut vendre le déchet, et ainsi indéfiniment. On peut l'exploiter, c'est-à-dire en tirer des richesses supplémentaires d'une manière ou d'une autre. Les possédants sont tout simplement, je dis là une banalité infinie, hein, ceux qui s'enrichissent de posséder. À vrai dire, ces grands bourgeois-là, on les voit très peu. Ceux qui possèdent les possédants des possédants, ceux qui sont l'alpha et l'oméga de la propriété, on les voit fort peu dans les terrains d'anthropologie que je mène. Il faut le talent et la persévérance des pinsons charlots pour être embarqué et accepté dans la grande bourgeoisie. Ils y jouent un rôle dans les projets que je mène, en ce sens qu'ils possèdent les entreprises, les hôpitaux, etc., etc., mais on ne les voit pas au travail. On peut s'arrêter un instant là-dessus. C'est vrai qu'ils se cachent, les bougres. Leurs châteaux ne sont plus sur les promontoires au-dessus des villages, hein. Ils sont cachés. Leurs yachts sont dans leur quartier privé des ports. Ils ne donnent pas de fous à Malte, d'ailleurs. Ils ne donnent pas de fêtes pour le bon peuple. Ils peuvent, à la rigueur, posséder des sociétés de production qui vendent des spectacles au bon peuple. On ne les voit pas faire la guerre. On ne les voit pas sur leur destrier charger l'ennemi. On les voit parfois uniquement dans des médias qu'ils possèdent aussi. Voilà. Ils sont comme les fantômes d'un monde qui est mis à leur service, ou du moins à leur bénéfice. Ce sont les corps absents, ceux qui vivent dans un monde hors monde. Moins que de classe absente, on pourrait parler de tiers inclus, en parlant des grands bourgeois. En ce sens qu'on ne les voit pas, mais ils sont ceux et celles qui prélèvent un bénéfice sur toute action sociale. Parfois, par hasard, on en croise, sans les reconnaître. On entre dans leurs murs sans prendre conscience de l'écart qui nous sépare de cette caste, notamment parce que leur fortune transcende l'usage social de l'argent, des fortunes qui font pas sens. Je me souviens ainsi, tout à fait par hasard, être entré jeune homme dans la demeure d'une des branches de la famille Muliez. C'est Auchan, tout ça. Une maison terne d'un faubourg terne près de Dijon. Certes, les jeunes gens de cette famille pouvaient se laisser entretenir. Certes, la maison ressemblait à une proprette suite d'un hôtel 4 étoiles. Certes, une certaine abondance bourgeoise se laissait voir, mais rien qui marque l'énorme, le monstrueux, l'incommensurable écart de richesse et de pouvoir sur le réel qui nous séparait. Étrangement, il se peut que l'indice le plus tangible de leur richesse et de leur domination se laissait voir dans leur manière de parler, de ne pas voir le monde, de rester confortablement assis dans un glacis de croyances justifiant leur domination. Un immense mépris de classe matiné parcimonieusement d'une douce condescendance. En peu de mots glacés, hors monde, ils vous dessinent leur perchoir aristocratique dans leur manière et leur manière de penser. Étonnant petit monde chrétien, crispé sur sa chrétienté et rigoureusement évidé de tout sentiment chrétien. Parfois, le perchoir est renversé dans l'espace épiphanique d'un moment humain. Ainsi, cette histoire dans une famille qui, sans être des 200 familles, n'en appartenait pas moins à la grande bourgeoisie. Je me souviens, le studio étudiant du fils de famille était un magnifique appartement à plusieurs étages sur l'île Saint-Louis. J'ai rencontré la doyenne donc de cette grande famille champenoise, naturellement spécialisée dans le Champagne et le Bordeaux, dans une des résidences estivales de la famille en Corse, près de Calvi. Tout le clan se rassemblait autour d'elle pendant l'été, dans des maisons éparses au milieu d'une forêt d'eucalyptus. Les petits-enfants avaient le droit d'inviter leurs petits camarades, jouer avec les bateaux et les bungalows familiaux. J'étais là parmi d'autres jeunes gens venus fumer leur été sur la plage dans la maison d'un ami, dont la fortune familiale nous échappait totalement. Nous fûmes présentés à la doyenne. Une jeune femme issue d'un milieu populaire et qui était avec moi lui fut présentée. Elle s'appelle Leïla, lui dit-on. La doyenne se tourne vers Leïla et lui dit avec le plus grand naturel: Ah, Leïla, vos parents sont bédouins? Et Leïla, du haut de ses 20 ans, d'un regard tranquille, altier, d'un regard d'amour que les papes ne savent pas avoir,
Et il la caresse, la doyenne de son regard, et son sourire, pardon, et lui dit « Non, madame, ce n'est pas cela, simplement mes parents ils trouvaient ce prénom joli. » Comme elle est devenue petite, la doyenne, devenue l'espace d'un sourire, comme un petit enfant mal poli, redressé avec bonté par un pédagogue doué. Mais l'instant d'après, elle était assise à nouveau sur son trône, au milieu de ses eucalyptus, entourée des siens, tenant les rênes de son petit pays. Parlons des nids de classe maintenant. Je me souviens du petit fils de cette grande dame, qui était mon ami. Il était si loin de revendiquer une appartenance de classe que même les yeux au milieu de son capital, je ne voyais rien. Fumant des joints, guitare à la main devant un député RPR de passage, au milieu des propriétés immenses et vides, je ne voyais rien. L'accompagnant dans des squats où nos chemins se séparèrent, par ailleurs, je ne voyais rien. Peut-être que lui non plus. On passe maintenant à une autre classe, les dirigeants des grandes entreprises. Ceux-là possèdent du capital économique, du capital social, du capital culturel et du capital symbolique en abondance. En d'autres termes, des sous, du réseau, des diplômes, du prestige, etc. Ils possèdent du capital en abondance, mais pas assez. En tout cas, ils ne se contentent pas de ce capital-là, ils ne se contentent pas de faire travailler leurs capitaux pour exercer leur domination. Ils ne possèdent la plupart du temps pas leur entreprise. Et ne possèdent pas leur poste. En cela, ils se distinguent, par exemple, d'une autre espèce qu'il faudrait traiter, là. Les Drahi, Niel, Bouygues, Bolloré, Leclerc, Pinault, Arnault, mais qui d'ailleurs, eux, font partie des grands bourgeois. Bien. Ils peuvent servir de fusible. Ils peuvent être remplacés, remerciés, virés, alors que les grands bourgeois, par essence, ne peuvent être virés de leur fortune. Ils peuvent servir de fusible, toutefois ce risque est largement lissé, comme on dit, par des garanties financières négociées dans chaque entreprise et plus collectivement. Vous avez entendu ça 1000 fois sur les golden parachutes, etc. Bien. Il existe pour eux une autre compensation. En échange de leur statut de fusible potentiel, ils peuvent exercer un véritable pouvoir sur les employés et dans certains cas, avoir un pouvoir impactant sur la vie du corps social français tout entier. En d'autres termes, ils ont pour certains, au bout de leurs décisions, la capacité d'impacter le quotidien de tous les Français. Ainsi, les patrons de Renault, de PSA, de TF1, de Bouygues, de Suez, de Total, d'Orange, de Thalys, etc. En tant que sociologue, et sauf à y consacrer pleinement ses recherches, on rencontre rarement ces gens-là, mais on les rencontre. On peut les voir dans des meetings internationaux, rarement dans des assemblées générales d'actionnaires, de loin, presque jamais dans des réunions de travail, des subordonnés que vous rencontrerez plus tôt. La situation exceptionnelle qui permet la rencontre, pour moi, c'est lorsque le grand patron ou la grande patronne souhaite vous voir parce qu'il ou elle ne comprend vraiment pas quelque chose, lorsqu'il est devant une dissonance cognitive, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il sait qu'il ou elle ne dispose pas en interne de moyens de comprendre, et se trouve, évidemment c'est là que c'est important, parce que ça leur arrive tout le temps de ne pas comprendre des choses et de s'en foutre, et se trouve dans une situation où il est obligé de comprendre, où il est urgent pour lui ou pour elle de comprendre. Cela m'est arrivé avec des dirigeants de structures modestes, comme le pornocrate Marc Dorcel, ou la directrice d'une école d'ingénieurs, l'un pour comprendre l'érosion inexorable de son marché et la fonction du porno en France, l'autre pour comprendre la crise de la vocation d'ingénieur. Et puis j'ai rencontré la directrice de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs, qui souhaitait à ce point comprendre l'opposition à l'enfouissement des déchets radioactifs sur le site de Bure, qu'elle m'a prêté son attention pendant 2 heures pleines. Expérience planante que la rencontre de la directrice de l'ANDRA, qui semblait prendre sa mission pour un sacerdoce. Il va sans dire qu'en France, les membres du patronat sont, sauf exception, des hommes blancs chrétiens. Ici, il s'agit d'une femme, néanmoins chrétienne de culture. Quoi qu'il en soit, de son sacerdoce, elle semble elle-même se résumer à une équation que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la société française. Mélange de simplicité de scout et d'arrogance immense. Habitus bourgeois et catholique pur jus, autorité totale et peur panique presque morbide du peuple d'opposants, mais surtout capacité de vous refermer comme on referme un livre,
ne gardant de la somme de vos recherches menées et livrées avec passion qu'une image, un raccourci ou une formule qu'elle fera sienne dans l'instant. Cela viendra s'additionner et se confondre avec la somme des certitudes apprises, et notamment la plus banale d'entre toutes, la certitude sensible de sa supériorité naturelle. Elle appartient, elle le sait, elle le sent, à un corps d'élite. Cela la sépare des autres, cela justifie sa domination. Cela la sépare des autres, mais aussi de sa propre expérience, du monde commun. Elle flotte au milieu de sa mission. Mais ce flottement n'est pas anecdotique ou inoffensif, il est le relais, le biais, le subterfuge semi-conscient par lequel un petit groupe de dirigeants peut se faire le bras armé et opérationnel des grands courants du capitalisme d'État ou du capitalisme tout court. Bref, vivant dans l'hallucination permanente de leur supériorité, les grands patrons peuvent demeurer la première main armée, le premier supplétif de la grande bourgeoisie. Si on questionne cette patronne, il est bien évident qu'elle se verra comme un membre de l'école des mines qui a fait un beau parcours, sûrement pas comme un outil placé par le corps bourgeois en haut de la pyramide des dominations dans la société française. Pourtant, en pilotant l'implantation d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs au cœur d'un aquifère immense, d'une réserve d'eau souterraine immense, celle du bassin parisien, c'est-à-dire d'une structure industrielle qui pourrait rendre radioactive toute l'eau du bassin parisien, et ce pour les siècles des siècles, elle a lourdement changé le champ des gouvernementalités possibles en France. Soit il y aura toujours un État centralisé, puissant, compétent, capable de prétendre ou de maîtriser ce risque, soit un risque pèsera sur la possibilité de vivre de Tours à Langres et d'Orléans à Rouen en passant par Paris. Alors je voudrais juste m'expliquer sur l'ordre que j'ai pris, grand bourgeois, etc., patron d'industrie, on verra ensuite les technocrates, les managers, et on finira dans la rue. Je pars tout simplement de ceux qui exercent le plus de domination, en d'autres termes, de ceux qui exercent le plus de mal, et je remonte progressivement la chaîne vers la vie, quoi, les gens qui vivent. Et puis ma rue demain matin, les gens que je croiserai en marchant. Voilà. Alors l'étape d'après, les technocrates. Je me permets une pause parce que, comme vous voyez, là, c'est très long ce texte. Donc, les technocrates. Ils possèdent essentiellement un capital scolaire reconnu qu'ils convertissent en petit... On reprend. Ils possèdent essentiellement un capital scolaire reconnu par des institutions bureaucratiques qu'ils convertissent en petit monopole fondé par une expertise. Une technique qu'ils déploient au sein d'une entité opérationnelle, la plupart du temps une bureaucratie plus ou moins fluide. Il faut bien garder en tête que la technique qui fait leur pouvoir inclut ou non une technologie. C'est bien la technique comme pouvoir qui est ici en question. Un haut fonctionnaire de la Banque Centrale Européenne est un technocrate par le biais d'une technique de gouvernement, d'une technique qui est aussi pouvoir. Cela, on les rencontre souvent sous trois formes. Enfin, on les rencontre souvent dans mon travail. Les technocrates enthousiastes, les technocrates bornés et les technocrates fatalistes. Je me souviens d'une technocrate de la Caisse des dépôts et consignations qui dessinait sur son calepin la redistribution de la manne des aides d'État pour l'autonomie et le handicap à travers des conférences des financeurs dans chaque département, ainsi que la réorientation de tous les petits écosystèmes économiques et sociaux départementaux vers des paniers de services distribués par Orange et le groupe La Poste. Elle avait, pour ainsi dire, le pays au bout des doigts depuis son bureau standard parisien, et bouleversait toutes les économies locales et par là même la vie de millions de citoyens âgés, ou de gens qui travaillent dans les soins, au domicile, etc., du bout de son stylo. Dans son esprit fraîchement sorti de l'école, l'équation se faisait naturellement entre des certitudes apprises et le bonheur des gens, ou plutôt la prospérité du pays, donc quelque chose comme le bonheur national brut qu'on pourrait représenter avec de belles images en PowerPoint. Je me souviens de ce petit nigaud blanc-bec à peine sorti de son école d'ingénieur chargé de l'évaluation d'un programme de diffusion de l'Internet des objets financé par la Commission européenne qui appliquait aveuglément, simultanément, à grands frais et avec obstination toutes les matrices d'évaluation qui lui paraissaient séduisantes, épuisant ses équipes avec un enthousiasme glacé. Ou cet autre encore, brillant, intelligent, honnête, ayant gravi l'ascenseur social, portant encore avec humilité et humanité son héritage prolétaire, qui dirigeait la succursale française et parisienne d'une institution européenne,
avec la candeur fanatique d'un homme qui trouve de la beauté à suivre à la lettre un règlement qui lui paraît pur de toute corruption. Je me souviens aussi de cet inspecteur d'académie de l'éducation nationale, bardé de certitude, qui régentait la vie de son académie parisienne selon le principe suivant, deux points, ouvrez les guillemets, les gamins, même s'ils savent pas nager, surtout s'ils savent pas nager, il faut les jeter à l'eau, ils apprendront plus vite. Et de faire des conférences et des directives sur le non-problème des prérequis inexistants. Et grâce à lui, grâce à la belle mécanique qu'il pilotait, élèves et enseignants souffraient et échouaient au rythme de ses billes vasées. Je me souviens encore d'un haut responsable de la direction générale des scolarités rencontré dans ses locaux à deux pas du Bon Marché à Paris. J'étais envoyé par le chef de cabinet du ministre pour proposer un moyen simple et peu coûteux, en temps et gratuit, de connaître en temps réel les causes du décrochage scolaire en lycée professionnel, établissement par établissement, qu'un ami avait inventé et testé en conditions réelles. Ce techno nous a regardé, cet ami qui l'avait inventé et moi-même, qui avait participé au terrain, il a montré l'armoire et nous a dit « Vous allez faire votre travail et nous le nôtre, vous nous donnez votre rapport et nous on le range dans l'armoire, où il rejoindra la centaine de rapports qui ont précédé. » Ou encore le patron de la mutualité sociale agricole, gérant la vie des retraités agriculteurs depuis le sommet de la plus haute tour des Mercuriales, qui sont un espèce de bunker à étage coincé entre deux bretelles d'autoroute sur le bord du périphérique. Et je pourrais en décrire comme ça à l'infini. Aucun de ces personnages bien réels n'avait conscience de la domination, en tout cas de la domination typique du technocrate qu'ils exerçaient, ni ne la revendiquaient pour eux-mêmes. Ils avaient simplement le sentiment d'être la bonne compétence au bon endroit, sans questionner la mécanique générale qui leur conférait le pouvoir, ni les conséquences réelles et pratiques de leurs décisions. Un mot encore sur les locaux, les lieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. J'ai eu plusieurs réunions dans les locaux du ministère de l'économie à Bercy. Il faut voir les traverses, les immenses corridors soviétiques vides, où l'on trouve ça et là des individus en costume fatigués qui vous dansent d'importance au milieu de leur ennui. Dans un des couloirs, il y a une vitrine empoussiérée avec des uniformes d'ingénieurs du corps des mines. On est là dans un petit musée de l'absurde, un conservatoire de technocrates, un ministère, quoi. Nous passons maintenant au métier mange-métier. Ce que j'appelle le métier mange-métier, ce sont les managers de tout poil. Ce sont les grands justificateurs. Ils justifient au nom de leurs compétences spécifiques et surtout de leurs fonctions la séparation de la propriété de l'outil de travail et ceux et celles qui y travaillent. En organisant le travail à la place des travailleurs et des travailleuses, à la place des gens du métier, à la place de ceux et celles qui ont le métier dans les mains au nom d'une compétence spécifique d'organisation, il signifie qu'il représente un pouvoir qui sait mieux que tout autre comment créer de la valeur à partir de l'outil de production. Les gestionnaires, les managers prennent de la place, ils occupent de l'espace de travail. Ainsi, lors du mouvement de résistance à Parcoursup et à la loi Or, un étrange phénomène fut visible à la Sorbonne, où peut-être, comme certains d'entre vous le savent, j'enseigne. L'administration cherchait des solutions pour pallier à l'occupation de certains locaux par les étudiants et personnels mobilisés. De nombreux bâtiments administratifs furent réquisitionnés pour des cours et surtout pour des examens. À cette occasion, on put voir l'étendue de la surface occupée par la fonction administrative, des sites entiers consacrés au management, c'est-à-dire aux fonctions essentiellement inutiles, dans le cœur de la vie universitaire, c'est la communauté des étudiants et des étudiantes, et des enseignants et des enseignantes. Comme un lichen dévorant les fonctions managériales, on grignotait la place des lieux d'enseignement jusqu'à occuper l'essentiel de la place, selon une dynamique qui, si on la laissait prospérer, mènerait à la disparition des enseignements, les universités n'étant plus que des centres administratifs, et ainsi dans tous les métiers, ainsi dans tous les comportements de la vie. Dans le monde du travail, au plus près des employés qui connaissent leur métier, les managers sont moins la main armée que l'arme elle-même, l'outil, le marteau avec lequel on assène l'exploitation. Cette violence s'incarne dans des costumes bas de gamme et des présentations PowerPoint dont les titulaires des métiers mange-métiers sont coutumiers. C'est pas des gens heureux, hein, c'est des gens qui souffrent aussi énormément les métiers mange-métiers.
Mais ils sont très précisément l'arme d'exploitation. Alors ensuite, c'est amusant, bon, enfin, moi ça m'amuse, c'est une catégorie que je traverse au fur et à mesure, mais j'ai écrit « Bourgeois, confrère, François Pégodeau, ouvrez les guillemets, histoire de ta bêtise ». Voilà, comme ça c'est aussi simple, c'est un clin d'œil, et puis allez voir, j'en parle évidemment, mais son travail est tellement plus complet et talentueux que je vous y renvoie. Bien. Maintenant, je vais vous parler des marchands. Un exemple de marchand qui me revient dans mon travail, c'est un petit bonhomme entre deux âges, des yeux vifs, surexcitant ses ridules et ne loupant pas une occasion pour servir un boniment d'une voix inimitable, à la fois confiante et mielleuse, douce et entreprenante, excitée et rassurante. Il vendait des robots pour vieux, enfin l'idée d'un robot, enfin l'idée d'une boîte à roulettes surmontée d'une tablette, le tout pour 6000 euros. Sans lui, le machin aurait paru une blague potache. Sûrement qu'un élève aura décidé d'équiper d'un moteur mécano une brosse à récurer les toilettes géantes avant de l'affubler de sa tablette. Avec son boniment, on était devant un robot de téléprésence qui allait révolutionner le maintien à domicile des personnes âgées. Au point que le gouvernement suédois lui avait offert subsides et ateliers d'usinage pour ses machins à roulettes. Avec ce truc, et surtout sans ce truc, il parcourait l'Europe et le monde pour le vendre. Ou plutôt pour se vendre et recevoir des subventions. Des bidules à roulettes, il n'en vendit presque aucun et son entreprise fit faillite en 2015. Mais avant d'aller vendre une nouvelle idée, Stefan von Rump, puisque c'est son nom, vendit cette idée à tour de bras. Cet homme était un marchand de ceux qui engagent leur imagination, leur puissance créatrice et leur capital dans l'idée folle de nous faire croire que nous avons besoin de ce qu'ils vendent. Confère, propaganda, Bernay et tout ça. Enfin, vous avez toute une littérature là-dessus. Mais là, j'essaie de vous l'imager. Cet homme était un marchand. Voilà. Ceux que j'ai rencontrés sont des passants. Ils ne se voient pas comme des bourgeois. Ils courent, ils fusent, ils passent d'une affaire à l'autre, d'un marché à l'autre, d'une négociation à l'autre, et à chaque fois, ils tâchent de mystifier, de susciter le désir, de tourbillonner, de faire la danse des voiles autour de leur proie, jusqu'à ce qu'achat s'en suive. À celui qui ne veut pas acheter, il faut vendre. À celui qui veut acheter, il faut vendre plus. Toujours dans le déséquilibre du désir de l'autre. Désir qu'ils prétendent connaître à grands coups d'intuition autoritaire, échangeante. Ce sont des agitateurs de fantasmagories, des éleveurs de chimères, des enfumeurs, des charmeurs, toujours du côté de l'illimitation du désir. Ce sont des fous dangereux, par ailleurs, des alchimistes de l'envie, de besoin. Ils ne font pas circuler les marchandises, ils se chargent de les rendre désirables et donc d'entretenir les fantasmagories de la marchandise. Nous passons à une catégorie qui va peut-être vous étonner parce qu'elle est inattendue. Les touristes. Il peut paraître étrange, voire incongru, de constituer les touristes comme classe. Ils ne font que passer, ne travaillent pas et ne possèdent pas l'outil de production. En tant qu'ils sont touristes, je veux dire. Répondons dans l'ordre à ces réserves justifiées. Les touristes ne font que passer, mais dans de nombreuses zones de France, ils constituent une population permanente qui impacte directement le marché immobilier, le prix des biens de consommation, les commerces et les services disponibles. Bref, leur présence change la vie quotidienne. Ils sont là, masse indéterminée et fluide, mais collante et persistante. Ils ne travaillent pas, mais déploient une activité standard, qui demande dans les lieux qui leur sont consacrés une prodigieuse standardisation du paysage et de la vie. Indirectement, on pourrait dire qu'ils créent de l'emploi à leur présence permettant le développement d'activités économiques. Enfin, et c'est pour moi le point principal, leur présence déclenche une emprise, une empreinte persistante sur la vie sociale et l'organisation du travail que j'assimilerais presque à un rapport de propriété. En un sens, sans en tirer directement profit, ils possèdent les lieux qu'ils squattent. Ils monopolisent à leur profit l'espace social, les lieux, les quartiers, les voies qu'ils utilisent. On leur consacre ou ils obtiennent qu'on leur consacre des pans entiers de la vie sociale qui sont extraits de la vie sociale normale, enfin qui sont comme un doublement de cette vie. Ce faisant, ils pèsent comme une masse molle et modelable par le pouvoir sur la répartition des statuts et des biens pour les gens et sur la répartition des flux, des richesses et des prestiges pour les lieux. Or, il y a en France,
autant de touristes que d'habitants. Quand on parle de plus de 60 millions de touristes par an. Heureusement, ils ne traversent pas le même pays. Alors nous allons passer maintenant aux gens des bureaux. Les gens de bureau, j'ai appelé ça. Nous sommes à Reims. Elle me fait face avec ses petites lunettes colorées, sa bouille joyeuse et craintive à la fois. Elle me raconte sa vie. Pendant 35 ans, elle a travaillé à la Banque de France. Et à la fin de sa carrière, en plus des horaires de bureau, elle devenait soignante à la maison pour son mari, ancien commissaire très malade, devenu impotent, qu'elle devait couvrir de soins vigilants. Elle possède sa maison. Un bout de sa rue, en ce sens qu'elle s'y sent chez elle, mais pas son quartier, pas sa ville. Heureusement qu'elle a sa voiture pour rejoindre ses amis, aller au cinéma ou voir une exposition, pour aller faire ses courses, parce qu'elle n'ose plus vraiment traverser la ville autrement. Dans sa vie, elle a les moyens de fonctionner comme un agent économique humble et efficace, mais tout se passe comme si elle n'avait pas accès à sa citoyenneté, à tout ce qui se joue à l'échelle de la ville de Reims, soit dit en passant, à tout ce qui est plus riche socialement et plus complexe que ce qui peut être traité par une opération bureautique. D'ailleurs, elle ne vote pas, dit-elle. Enfin, si, elle vote, elle vote comme ses parents, selon un rituel qui lui échappe totalement. Elle navigue dans un plan mince, dans l'espace qui sépare les deux parois d'un double vitrage. Elle pense les rapports de domination sous une forme abstraite amusante. C'est toujours un grand on, un grand il qui est à l'origine des choses. Elle a pourtant parfois, même sous cette modalité, des jugements qui ne manquent pas de justesse et qui surprennent. Vous voyez maintenant dans mon quartier, il y a tous ces cassos. Qu'est-ce que c'est qu'un cassos? C'est des gens qu'on a mis quelque part. Je voudrais vous parler maintenant de la Startup Nation, en peu de termes. Quatre modes. Investissement risqué, cherchant capital risqueur. Ce qui est en fait essentiel, ce que c'est que une startup. Petit B, faux nez, pour être sexy, d'une entreprise nouvelle. Petit C, faux nez du grand capital pour attirer des subventions publiques ou pour former des alliances discrètes pour mutualiser de manière contrôlée et souple des résultats ou des investissements. On parlera alors de spin-off. Petit D, quatrième mode, miroir aux alouettes pour jeunes gens dynamiques. Cette caste hétérogène des start-uppers a pour point commun de revendiquer sa violence sociale, pleinement et crânement, autour de vocables jolis. Ses membres veulent disrupter. C'est-à-dire, en bon français, faire éclater les cadres, les pratiques, les us, les coutumes, avec leurs nouveaux produits, leurs nouveaux services. Au nom de leur génie supposé, ils s'arrogent le droit de faire éclater telle ou telle zone de la société. Ils se pensent comme vecteurs légitimes d'une instabilité permanente de la société. Ils sont le cœur d'un mouvement qui, selon eux, est aussi bien inéluctable que souhaitable. Ils sont des éclateurs de vie quotidienne. Alors, la catégorie d'après, zut, je l'appelle les solitaires de l'ancien monde parce qu'au début je voulais l'appeler les bourgeois à vocation solitaire, mais il y a des gens qui ont cette vocation et qui ne sont pas bourgeois, même si la plupart le sont. Alors, les solitaires de l'ancien monde. On en croise parfois sur le bord du chemin. Il et elle tâchent avec plus ou moins de réussite de s'accomplir dans un métier qui n'existe plus ou dans une vocation obsolète. Ce seront des photographes passionnés de grands reportages sur le long cours. Des enseignants de la vieille école humaniste, philosophes dans un monde de professeurs de philosophie, des journalistes d'investigation sérieux, des artisans détenteurs d'un savoir ancien et unique, la plupart du temps, ils possèdent un capital symbolique important, immense à leurs yeux, et souvent un capital culturel conséquent. Souvent aussi, ils possèdent ce qu'il faut d'héritage pour ne pas vraiment devenir clochards malgré leur parcours professionnel chaotique. Il et elle se voient comme des passants, des aventuriers, des survivants. Et l'idée que leur dilettantisme et leur asile de la pureté est un déploiement de violence symbolique leur est la plupart du temps totalement étrangère. Ce sont pour la plupart des bourgeois qui ont l'impression de n'avoir été que de passage en bourgeoisie. Alors à cet endroit-là, je devrais vous parler des artisans. Il se trouve que dans mon travail,
j'interagis quasiment jamais avec eux, et que c'eût été assez malhonnête de présenter ainsi un portrait. J'ai bien quelques anciens boulangers dans les entretiens, mais vous les trouverez dans les conférences de Traverse ailleurs. Bien. Je veux vous parler maintenant des employés et utiliser pour ça un cas qui peut-être fera réfléchir plus d'un employé ou plus d'une employée. J'ai rencontré cet homme dans un train. Parce qu'après un regard amusé, il m'a invité à m'asseoir à ses côtés quand les autres voyageurs semblaient dégoûtés de la possibilité de cette place assise. Dans ce train bondé plus que de raison, il portait en effet le gilet d'un bleu improbable associé au nettoyage des poubelles et des toilettes du train. Nous étions qui pisaient debout entre deux wagons de première classe. Aussi nous voyageâmes ensemble. Il s'appelle Pierre. Il fait les ménages dans le TGV. Maman anglaise, papa dans les affaires, mais qui n'a laissé que des dettes. Il se décrit comme petit bourgeois, une conscience de classe précise, qui à première vue surprend un peu. Ancien ingénieur du son, il a subi ce qu'il décrit comme la crise de ce secteur, la fermeture des maisons de disques, la baisse des cachets. Il raconte le jour où il a désespéré de sa profession lorsque le fils de Michel Berger l'appela pour une journée de travail, rémunérée 50 euros. Ses revenus ont baissé petit à petit jusqu'à ne plus lui permettre de vivre. Ensuite, il a connu le chômage, puis les trains. Il me parle de sa grande passion, les arts primitifs, africains et japonais. Il est marié, il s'est marié 3 fois. Il me parle de sa première femme, juive israélienne, puis de la dernière, camerounaise. Il envisage d'aller vivre au Cameroun pour sa retraite. Le pays lui semble détruit, mais avec le réchauffement climatique, il pense que le Cameroun va devenir le grenier à blé de l'Afrique. Sa grande fille a 14 ans. Il voudrait qu'elle fasse Sciences Po, parce qu'elle lui semble follement intelligente, qu'elle est douée pour l'anglais, qu'elle utilise des mots français qu'il ne connaît pas, et qui lui paraissent brillants. D'un côté, par son ancien métier en décalage avec sa fortune actuelle, je vous rappelle que c'est le monsieur qui fait les toilettes et les poubelles du TGV Lyon-Paris. Il a un certain capital culturel, symbolique et économique. Il habite dans un duplex avec un étage pour les œuvres d'art qu'il achète pour vivre devant ses œuvres. Les œuvres et la bonne bouffe, il n'y a que ça qui m'intéresse. D'un autre côté, par son métier actuel, il vit à l'autre bout du système de domination. Ils nous tiennent par le salaire et l'emploi du temps, me dit-il. Le salaire lui paraît correct, c'est pour cela qu'il fait ce job, environ 1500 euros plus prime. Mais l'agenda hebdomadaire est donné tous les mardis, empêchant selon lui toute projection dans le temps. Tous les jours, il fait les poubelles du TGV, lave les toilettes et colle les petites affichées de business. Avec les mêmes mains, il récure les toilettes collectives et prépare les sièges confortables destinés aux derrières de luxe. Dans le fond, le jugement dégradant mis à part, c'est un smicard comme les autres et parfois des revenus un peu plus importants, parfois avec des revenus un peu plus importants et quelques microscopiques marges de manœuvre que pourraient lui envier des employés de bureau ou des ouvriers à la chaîne. Il s'est trouvé une drôle de niche et touche parfois le salaire médian. C'est-à-dire 1700 euros. Il se dit anard, mais comme ça, parce qu'il se méfie de tous les camps politiques. La CNT et la FA lui sont inconnus. Il est essentiellement, d'après lui, dégoûté de tout. Il ne possède rien, ni son temps, ni son lieu, ni les règles du métier. Toutefois, il peut gérer lui-même le moment de sa tournée. Et quand je l'aborde, il était en train de lire le journal entre deux wagons de première et peste contre l'annulation d'un match de rugby. Lui sait la violence sociale. Et ce qu'il me dit de sa vie, il n'en parle pas vraiment à ses collègues moins dotés de capital. Pour eux, il reste un vieux, taiseux, un peu protecteur et que l'on respecte pour ces 3 raisons. Ce que l'on voit le mieux chez lui, et qu'on le retrouve chez de nombreux employés qui sont payés jusqu'au salaire médian, c'est la séparation hermétique entre leur précarité au travail et la qualité de vie qu'ils tâchent de se construire dans leur vie privée. C'est d'autre part une conscience de classe aiguë, une allergie au parti et une culture politique bricolée, ainsi qu'une absence totale d'engagement politique syndical traditionnel au sein d'un parti. Bien. Je voudrais maintenant vous parler d'un certain genre de profession
que j'ai appelées les professions tampons. On pourrait presque y ajouter les auxiliaires de vie sociale ou les aides-soignantes qui travaillent à domicile, dans ce sens qu'ils ont le même rôle, mais en groupe, vous allez voir pourquoi. Les professions tampons. Enseignants, enseignantes, infirmiers, infirmières, cheminots, cheminotes, policiers, policières. Ce sont des employés dotés d'un capital culturel stable et d'un capital symbolique fortement variable. En effet, grâce à leurs diplômes et à leurs compétences, ils occupent un poste dans un des secteurs d'activité qui assure la possibilité de la vie en commun. S'ils sont mal rémunérés, on considère que leur métier correspond à une vocation, ce qui, dans l'inconscient collectif, et parfois explicitement, est autant un sujet d'admiration et de respect qu'une justification de leur faible salaire et une source de jalousie. En tant que piliers de la vie quotidienne, agents du maintien de l'ordre social, ils sont autant chéris que l'on chérit l'ordre et haïs que le même ordre est haï. Leur profession, leur vocation, est un capital symbolique à la valeur extrêmement fluctuante, parfois dans un temps très rapproché, voire dans le même instant. Ces professions amortissent les coûts du capital, cela les rend aux yeux du sens commun à la fois aimables et haïssables, protecteurs et complices. Je voudrais maintenant vous parler des vieux. Les pages de ces conférences de travers en sont peuplées, aussi je me contenterai d'indiquer les principales caractéristiques de ce groupe en tant que classe. Ce groupe pourrait paraître hétérogène, multiple, informe, tant quelle que soit sa classe d'origine, on vieillit, et ainsi chaque classe aurait ses vieux. Il en est effectivement ainsi, mais dire cela, c'est négliger deux caractéristiques communes largement partagées par les personnes âgées en France. D'une part, ils ont récupéré la propriété de leur temps en tant que retraités et ne vendent pas ou plus leur force de travail, sauf dans des cas exceptionnels. D'autre part, leur perte d'autonomie, le fait qu'ils aient de plus en plus besoin d'aide pour vivre leur vie quotidienne, constitue un marché. Souvent, ils sont ainsi assaillis d'offres publiques et privées, de services, d'offres quasiment nues, pour occuper leur temps. On dira dans la novlangue de la silver economy, lutter contre l'isolement. Pour la société, comme on pourrait dire active and healthy aging aussi, vachement bien. Pour la société, comme parfois pour les proches, la problématique qui se pose explicitement ou implicitement est la suivante. Comment récupérer l'argent de la personne âgée? Comment remettre sa pension et ses économies dans le circuit? Comment la rendre rentable? Comment rendre la dépendance rentable? Les EHPAD, de triste réputation en France, sont à ce sujet des cas d'école. Ces établissements sont en effet pour l'essentiel des dispositifs à rendre les vieux rentables par un procédé simple et barbare. Une fois la personne entrée, structurellement, sans planification ou volonté explicite, on lui fait perdre son autonomie et obtient rapidement un être incapable de se lever, de parler, de se nourrir, de se laver, de protester. Ce, entre guillemets, « légume », ne demandera plus qu'un minimum d'entretien, c'est-à-dire de temps passé à ses côtés. On le changera une fois par jour, on le lavera de temps en temps, on ne lui parlera plus, on le nourrira à la pipette. Bref, le maintien en vie de cette personne, réduit aux simples fonctions vitales, coûtera peu de temps humain et pourra être largement facturé. Il et elle sont traités comme du capital mort qu'il faut revivifier au prix du respect de leur intégrité physique et psychique. Je voudrais maintenant vous parler des agriculteurs. Là encore, et déjà dans cette mise en ligne, les pages des conférences de travers sont peuplées de récits à leur sujet. Mais il n'est pas inutile de décrire ceux que je rencontre le plus au cours de mes terrains et ceux qui sont en fait moins des paysans que les employés d'un système agro-industriel enchaîné sans contrat par une série de liens à un collectif qui les détruit progressivement. Ceux que j'ai rencontrés sont des hommes blancs, sur des exploitations de 150 à 800 hectares, sur des sols que l'on ne peut plus appeler terre parce que la terre est vivante et qu'il s'agit ici de sols planes, durs comme de la roche, évidés de toute vie, recouverts de chimie humaine. En fait, ce ne sont plus des paysans, mais des techniciens de surface. Ces hommes maîtrisent des techniques, mais des techniques intermédiaires qui font eux des agents. Ils savent conduire leurs énormes engins, mais pas les produire et ne peuvent réparer eux-mêmes que des pannes mineures.
Ils savent manier les produits phytosanitaires, mais pas les produire. Ils savent manier leurs drones, mais pas les produire. Ils savent lire les normes françaises et européennes qui encadrent leurs activités, mais pas les produire. Ils savent lire l'intrication des réseaux agricoles, FDSEA, SAFER, coopératifs, etc. Mais leur rendement baisse, leurs coûts augmentent, et ils se sentent mal aimés. Ils possèdent le sol, mais pas les outils, pas les techniques, pas les semences, pas les débouchés, pas le carburant. Ils possèdent plus la terre, pas plus que l'air, l'eau et les pluies, mais seulement la surface du sol, c'est-à-dire la seule chose qu'ils sont en mesure d'exploiter. En d'autres termes ici, posséder signifie avoir la possibilité de livrer à une exploitation exogène et de devenir technicien de surface. Chez ces agriculteurs traditionnels, comme on dit, ce qui est surtout saisissant, c'est l'écart entre une richesse affichée et le véritable état de leurs finances. La plupart du temps, ce qu'ils laissent voir, propriété immense, machine surpuissante, c'est essentiellement de la dette et le signe discret qu'ils ont perdu toute latitude décisionnelle sur leur sol. Ils ont perdu leur terre. Ils ont maintenant un sol. Ils ne savent pas seuls faire de ce sol un outil de travail productif. Ils ont pour cela besoin de l'agro-industrie. Des agriculteurs, j'en ai vu par exemple dans l'Aube pouilleuse, tremblant sur leur orgueil, fiers d'avoir changé les alentours en usine à betteraves sucrières, bravache devant les reproches écolos. J'en ai vu d'autres presque étouffés par l'énormité de la dette à avaler et de l'orgueil à ravaler. J'en ai vu des pendus en Bourgogne pour avoir perdu la face ou avoir été étouffés. J'en ai vu sur le fil défendant à bout de bras au bord de la rupture le credo de l'agro-industrie post-Seconde Guerre mondiale. Ils se sentent seuls, leur commune se vide et ils savent qu'ils y sont pour quelque chose, notamment parce que leur manière de travailler permet à un homme de travailler des centaines d'hectares. Certains prennent des voies de traverse. Ils deviennent paysans, guides, paysagistes, etc. Ces derniers reprennent ainsi place chez eux, et leur sol se change en terre et en terroir en quelques années. Maintenant, je voudrais vous parler de la force de l'ordre. Là encore, sur la chaîne, il y a quelques vidéos à ce sujet, mais celui-là aura un traitement particulier. Rôle de groupe, très hétérogène, comprend des policiers, des gendarmes, d'autres formes de militaires. Rôle de groupe très hétérogène lui-même que celui des forces de l'ordre. Il est formé par ceux et celles qui mettent leur corps au service de l'ordre. En voilà un. C'est un homme entre deux âges, plus tout à fait jeune, mais encore assez pour jouer dans la réserve d'une équipe de rugby au niveau fédéral. C'est là que je le rencontre. Dans l'équipe, on savait peu de choses sur lui. Il parlait peu, arrivait toujours avec le même copain. Simple, fiable, franc. Une drôle de tête, large et carrée, rasée. La mâchoire solide, le nez qui aurait été aquilin s'il n'avait pas été cassé. Une ou deux cicatrices fondues. Et puis une raideur, comme s'il avait le bas du dos broché, comme si on lui avait un jour cassé le dos. Ce n'est pas un gros, pourtant il joue pilier, parce que ça va bien avec sa raideur du dos. Il a des petits yeux sympas, vifs, expressifs, mais en groupe c'est un homme taiseux. Il est habillé simplement, à peu près de la même manière l'hiver et l'été, donnant une impression générale de robustesse. Et puis un jour, par une série de hasards, il s'est présenté à moi. D'une part, le bus nous a fait défaut, nous avons partagé des voitures, et puis au retour, il m'a proposé de faire le chemin dans sa voiture, avec son éternel pote à côté. Enfin, nous sommes saisis dans des embouteillages, alors on cause boulot. Il est policier, il patrouille essentiellement dans la gare de Lyon. En ce moment, son unité est chargée d'en assurer la sécurité. Le pote, c'est un collègue de la même équipe, et les deux parlent. Il parle de la gare comme d'une jungle, comme d'une réserve qu'il faudrait rééquilibrer sans cesse afin d'en chasser les espèces invasives susceptibles de troubler l'harmonie générale. Pour rétablir l'ordre, la nuit ou au petit matin, comme pour rétablir l'ordre avant même que le trouble se soit produit, il tombe, entre guillemets, je cite, les deux pieds en avant, sur des individus pour les dégager de la gare. Il le sait, il le sent, il les connaît. On ne peut pas la lui faire. Les gens qu'il cogne sans sommation, les gens qu'il dégage, ce sont des fouteurs de merde en puissance. Et il se sent obligé de faire ainsi, parce qu'il se sent seul, pas assez nombreux, pas assez puissant dans un océan social incohérent et imprévisible. Aussi, il fait appel à son instinct de policier, qui se laisse décrire comme une forme de sauvagerie première. Sa vocation est noyée dans l'épuisement et les ordres absurdes. Je comprends mieux ses cernes et son dos bloqué. Voici venir maintenant les étudiants. Anthropologues et sociologues enseignent couramment,
Aussi, il n'est pas étonnant qu'après l'avoir été eux-mêmes, ils côtoient ainsi la population étudiante. Les étudiants et étudiantes forment un corps trop vaste et trop hétérogène pour être résumé dans un portrait ou une série de portraits. Mais la vie interne de ce groupe est largement structurée par des rapports de classe, et c'est ce rapport que l'on peut brosser. Structurellement, un étudiant et une étudiante est une personne qui dispose de temps libre qu'il consacre à l'acquisition du capital culturel, de capital social et de capital humain dans le cadre de sa formation ou de ses études. Naturellement, les étudiants et les étudiantes dont les parents appartiennent à la classe bourgeoise disposent d'une abondance de temps libre. Ils ne le dilapident pas en longs trajets ni en heures supplémentaires dans des métiers de tâcherons. Inversement, les étudiants dont les parents ne sont pas bourgeois, ce qui représente l'essentiel de la cohorte, échangent leur temps de repos contre du temps à consacrer à leurs études. Sous cette pression particulière, ce temps d'osium devient un temps de travail aussi. Et s'il se paie un luxe, ce sera celui de se reposer du travail pendant les heures de travail universitaire. Entre les enfants d'exploiteurs et les exploités, il y a le ventre mou. Des étudiants qui retiennent essentiellement du temps libre que c'est un temps libre et qui jouent à laisser négligemment passer le temps. Ils ne savent pas précisément là où ils sont ni ce qu'ils font, ce qu'une famille bourgeoise ou la misère leur aurait enseigné, mais peu leur importe, ils ne se posent pas la question. Ces différences d'état correspondant à des besoins différents ne sont presque jamais explicitées et revendiquées dans l'espace des cours. Aussi, les cours se poursuivent comme si de rien n'était, perpétuant inexorablement et silencieusement la capacité de l'école à reproduire et maintenir les inégalités, ce qu'a si bien démontré Pierre Bourdieu. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre catégorie, les stagiaires. Les stagiaires ne possèdent rien et ne se distinguent des salariés que par la maximisation de leur temps de travail gratuit. Ils vendent leur gratuité optimisée, mendient leur exploitation. Les stagiaires sont des productions formidables d'un capitalisme triomphant. Ils réclament de travailler gratuitement afin d'atteindre un strapontin qui leur permettra d'accéder à la lutte des places dans le marché de l'emploi. Ils sont dans le fond les payeurs de la part manquante de la formation entre celles financées par la solidarité nationale via l'éducation nationale et les réquisites d'un poste qui pourrait s'acquérir sur le poste de travail. Puis ils ont des pleins tonneaux de résilience. À quelque poste qu'on soit, ils s'en présentent pour réaliser des tâches et des bouts de tâches sans qualification et la plupart du temps presque sans salaire, souvent parce que leur école les oblige à le faire. L'idée qu'ils accomplissent un travail gratuit qui fait concurrence aux autres travailleurs, l'idée que par leur écrasement, ils perpétuent une violence symbolique ou encore que leur spécialisation pourrait être financée directement par celui qui en bénéficie, c'est-à-dire l'employeur, leur est étrangère la plupart du temps. Ils sont en position de remplir des obligations scolaires ou dans l'urgence absolue de la guerre de tous contre tous pour l'accès à l'emploi. Lors de mes enquêtes, il m'est arrivé à plusieurs reprises de finir par accepter un stagiaire auprès de moi, c'est-à-dire d'accepter de faire la formation non rémunérée de quelqu'un, mon salaire n'étant pas augmenté. La jeune personne insistant passionnément, ce qui fait que j'accepte à la fin, et de devoir moi-même négocier pour cette personne une indemnisation correcte, cette dernière s'estimant trop heureuse d'avoir un stage pour négocier le prix de ses efforts. Les stagiaires semblent massivement conditionnés à penser qu'ils constituent une réserve naturelle de travail quasi gratuit, cette étape d'exploitation étant le rituel initiatique pour intégrer le marché du travail, bien que cela soit pensable. Je n'ai jamais vu le stagiaire quitter son poste ou le refuser devant l'écart entre la tâche et la rémunération de la tâche. Parlant de tâches, ben voilà les tâcherons. Alors je vais prendre directement un exemple. Et voilà Madame F. Elle a un peu moins de 60 ans. Elle a le cheveu court, le corps très abîmé. Quand on la voit, on se demande au premier abord si elle est malade ou si elle se drogue. En fait, elle sort d'une série de chimiothérapies. Un cancer lui a récemment détruit la santé, le corps, la peau, et lui a fait perdre son travail. Elle était libraire. Elle ne peut plus exercer son métier, mais elle doit néanmoins gagner sa vie, enfin littéralement manger et payer son loyer.
Alors, grâce à un kiosque dans son quartier, elle propose ses services: arrosage de plantes, soins pour les animaux, ménage. Après chaque prestation, sans contrat, elle est rémunérée et notée. La notation n'est pas obligatoire, mais Madame F doit la demander, parce que si elle obtient de bons scores, on lui donnera plus facilement les tâches récurrentes et régulières. Elle n'est pas même embauchée à la journée, elle n'est même pas journalière. Et c'est du lumpenprolétarisé. On dira peut-être ubérisé, mais pour mieux décrire sa situation, c'est une dame qui passe chaque jour au kiosque pour savoir si on veut bien lui donner la pièce pour telle ou telle tâche dans le quartier. Tout cela avec de belles couleurs sur les prospectus et de beaux dessins sur les plaquettes de communication du kiosque pour déculpabiliser ceux et celles qui utilisent ce qui reste de sa force de travail et de vie. Quand elle écrit un SMS à ses clients, elle cherche toujours à y glisser un peu de poésie, un peu de charme, un peu d'irrévérence gracieuse. L'entrée suivante, c'est la main-d'œuvre étrangère, mais là-dessus, je renvoie à un passage de la conférence de Travers qui s'appelle L'échec en politique. Il est possible que j'en ai fait une vidéo. Catégorie suivante, le chômage et les sans-emploi. Catégorie hétérogène parce que toutes les professions peuvent aboutir à une période de chômage indemnisée ou non, souhaitée ou non, débouchant ou non sur de la précarité économique, source de stress ou de repos en début, milieu ou fin de carrière. Bref, il y a trop de différences chez les chômeurs. Chômeur n'est pas un saisonnier, pas un intermittent, pas un auto-entrepreneur, pas une personne qui fait de son activité domestique son activité pivot, femme ou homme au foyer, pas non plus un rentier. Le chômeur est quelqu'un qui devrait trouver un travail et qui vit cette pression à la fois économique et symbolique dans tous les compartiments de sa vie. Il ou elle dira souvent, au lieu de « je suis au chômage »,« je suis à la recherche d'un emploi » ou « je suis actuellement en recherche d'emploi », comme si la recherche, en tant qu'impératif, en tant qu'urgence, fournissait à la personne son identité sociale. Pour ne pas dire simplement « je suis chômeur »,« je suis en train de chômer », et ce faisant, je rends service à la société. Non, non. Et se substituait, donc cette identité de rechercheur, de rechercheuse d'emploi, à tout ce qu'il ou elle est par ailleurs. Un père, une mère, un frère, une sœur, un ami, quelqu'un qui a eu des postes, qui possède des qualifications, qui habite quelque part, qui aide quelque part, etc. Le chômeur peut jouir de son chômage, mais il faudra alors dissimuler ou revendiquer crânement. Cette jouissance, contrairement aux vacances, n'est validée institutionnellement ni tolérée par le sens commun. Non, pardon, n'est ni validée institutionnellement ni tolérée par le sens commun. Pour ce sens commun, s'il y a du chômage, c'est à la fois parce qu'il n'y a pas assez d'emplois et parce que les chômeurs sont des feignants. Dans les entretiens, la cohabitation dans les mêmes esprits de ces deux affirmations contradictoires est si courante qu'elle finit par devenir prévisible. En fait, ces affirmations semblent moins des affirmations que des signes de reconnaissance réciproque. On dit cela comme on commente la météo pour dire quelque chose qui fait l'objet d'un assentiment implicite. La pression, l'urgence à retrouver un emploi, quand bien même la quête serait vaine, est un facteur essentiel du système de domination dans la société française actuelle. Si le chômage, même miséreux, était vivable, heureux, consciemment et collectivement organisé, il ne pourrait plus servir d'outil structurel pour faire baisser le coût du travail et maintenir les salaires bas, maximisant ainsi les conditions d'exploitation. Alors, voici une autre catégorie qui peut tout à fait d'ailleurs recouvrir celle du chômage, mais qui est transversale. Les pauvres. On donnera la définition des pauvres à la fin. Voilà la catégorie immense de ceux qui n'ont pas plus ou presque plus de capitaux, et qui, plus simplement, ont tout le mal du monde à conserver leur dignité, leur intégrité psychique, morale et physique, du fait d'un manque de capital, mais qui y parviennent encore. Parfois, ils y parviennent en échappant à la logique sociale majoritaire, mais ce n'est pas ce genre d'exemple que je veux partager avec vous ici. Nous sommes à Dargneul, dans les Vosges. Monsieur Faux, 67 ans, pardonnez-moi, ancien manutentionnaire, vit seul depuis toujours, dans une bicoque mal ou pas chauffée, attenante à la maison de son frère. Il y a du givre à l'intérieur des vitres. « Vous tremblez ?» lui dit l'évaluatrice que j'accompagne.
d'une évaluation réalisée par sa caisse de retraite. Il ne fait pas chaud. Oh si, ça va. Il marche d'un pas décidé mais déséquilibré, peu sûr. Il répond par monosyllabes ou par phrases directes et très courtes. La plupart du temps, ces phrases paraissent directes et suffisantes, mais elles semblent surtout viser à abréger l'entretien. En fait, il veut qu'on s'en aille. Il reçoit de l'aide ménagère et deux repas. Les courses, ça va, la voisine, elle est gentille avec moi, c'est elle qui aide beaucoup aux courses. Il se sent parfois isolé, mais le mot est suggéré par l'évaluatrice. Il a du diabète, il a été opéré du cœur. L'infirmière lui prépare ses médicaments et passe 3 fois par jour, ce qui rend le froid difficilement explicable. Passionné de football, le mur de sa chambre est couvert de photos et de fanions, ainsi que de cinéma, il passe aujourd'hui le plus clair de son temps à regarder des films ou des matchs. Il était animateur dans un club local de football, il s'occupait essentiellement de la buvette, mais il ne peut plus vraiment s'y rendre, notamment depuis que son scooter est remisé après une chute à relier avec le diabète impliquant les côtes cassées. Il a passé Noël et le Nouvel An tout seul, et cela le rend malheureux. Quand il se sent seul, il souffre. Sur un guéridon à côté de l'annuaire, il n'y a plus de téléphone. Seule une trace de téléphone laissée sur la poussière du guéridon. Bien que passionné de cinéma, il ne veut pas se rendre au cinéma, enfin c'est ce qu'il dit. Il dit que les films, ils passent sur Canal. Sa voisine le conduit aux courses tous les 15 jours. Il va régulièrement chercher son pain. Il ne fait plus partie d'aucun club de football. Il va encore voir des matchs à Darnieul. Il aimerait retourner à Épinal ou à Nancy voir des matchs, mais refuse quand on lui propose de l'aide. Devant l'évaluatrice, il prétexte les mauvais résultats de l'équipe d'Épinal pour expliquer le fait qu'il n'y aille plus. Il aime encore se promener dans les alentours, aller aux champignons. C'est son frère qui s'occupe de l'essentiel de ses papiers, mais c'est la voisine qui a fait la demande pour les repas qu'on lui livre. Ces deux aidants se partagent les aides au déplacement. Il a encore des neveux, mais qui ne lui rendent pas visite. Une de ses paupières est très infectée, gorgée de sang et pend, gênant probablement sa vue. Toutefois, il minimise. « Oh non, ça fait pas mal, j'ai du colir, il y a l'infirmière qui vient, mais... » Ben, venait déjà avant. Il a été 3 fois hospitalisé sur les 6 derniers mois, parce qu'il n'arrêtait pas de tomber. Il attribue ses chutes au diabète. La dernière hospitalisation date de 15 jours. Il ne veut rien changer chez lui. Il ne veut pas de barre d'appui, il ne veut pas qu'on change ses marches, n'accepte aucun travaux dans son logement, il veut garder sa chambre au premier étage. Surtout, il veut qu'on s'en aille, la dame de la caisse de retraite et moi. Le frère survient au cours de l'entretien et nous apprend que M. Faux a eu des hallucinations, en plus des chutes. Il le réprimande parce que la femme de ménage est mécontente, parce que t'as pas fait de lessive, parce que en réalité il fait pas sa toilette lui-même, etc. C'est une chance que vous soyez là, nous dit le frère, parce que moi il m'envoie balader. T'en poses des questions, qui me dit. La femme de ménage c'est pareil, elle ne veut plus venir à cause de ça, parce qu'il l'envoie balader. Personne ne semble comprendre lorsqu'il s'exprime. Bien qu'il ne soit pas évident de savoir si M. Faux n'est pas compris ou s'il cherche à se rendre incompréhensible pour avoir la paix. M. Faux donne l'impression, dès qu'on lui pose des questions, d'être harcelé de questions et de lutter pour répondre et faire cesser les questions. Il ne parvient plus à dire le nombre de visites chez lui. Au beau milieu de l'entretien, l'assistante sociale de territoire, une autre assistante, vient pour une évaluation sociale et interrompt l'évaluation de la caisse de retraite en cours. Vous voyez, chez les pauvres, on entre facilement. Le frère, l'assistante sociale, l'assistante, l'évaluatrice de la caisse de retraite. L'assistante sociale et l'évaluatrice ne se connaissent pas et ne s'apprécient guère. Et n'apprécient guère de voir leur travail se chevaucher ainsi. La visite pour donner des droits à ce pauvre homme se termine dans le quiproquo, l'irritation et l'incertitude. Dehors, le froid se crispe encore un peu plus. Dedans aussi. Voilà, on en arrive à l'avant-dernier chapitre. La rue. Il y a enfin ceux qui perdent le droit d'avoir un toit, le droit d'avoir des droits dans la foulée, et qui n'arrivent plus du tout à protéger leur intégrité physique, ceux qui ne sont plus à l'abri, qu'on appelle les sans-abri.
Jour de canicule. La rue Lafayette est abrutie par un soleil brûlant. Faut lever le pied. Faut lever le pied pour ne pas marcher sur le corps d'une dame étalée sur la chaussée brûlante, rue du Faubourg-Montmartre. Comme elle a l'air pauvre, personne ne s'arrête pour s'inquiéter de son état. Peut-être a-t-elle chuté, peut-être est-elle morte, peut-être dort-elle. Qu'est-ce qui indique sa pauvreté? Presque rien. Des chaussures sales, un visage marqué, un pas... Pardon. Des chaussures sales, un visage marqué, mais debout avec un pas banal. Personne n'y verrait rien. Comme elle est au sol, on la voit pauvre. Et comme on la voit pauvre, personne ne l'aide. Un généreux monsieur en cravate a appelé la police municipale. Elle va sûrement passer bientôt. Je traverse la rue pour lui chercher une bouteille d'eau à l'épicerie du coin. Puis je m'accroupis un instant. Auprès d'elle, elle respire. Je la réveille doucement pour qu'elle aille se mettre un peu à l'abri du soleil et de la foule du matin. Elle émerge, boit de l'eau, marmonne. Explique comment elle a glissé de la marche en marbre qu'elle trouvait plus fraîche. Elle s'appelle Anne-Laure. Elle ne fait pas la mendicité. Elle a beaucoup de défauts, mais pas tous les défauts. Ses esprits reviennent petit à petit. Sans même que je dise un mot, elle me prend progressivement en grippe, se referme et me somme de dégager, de la laisser tranquille. Je m'exécute. Je la revois 2 semaines plus tard, seule sur le terre-plein d'un carrefour, assise là où personne n'aurait l'idée de s'asseoir, ni même de lui donner de l'argent, et comme elle le disait, elle ne fait effectivement pas la mendicité. Elle hurle, comme en écho au vomissement des moteurs, comme en écho. Un clochard dans le haut de la rue Rochechouart. Celui-là hurle depuis sa guérite bricolée en caddie, carton et parasol, et bombarde d'insultes les voitures qui passent, notamment quand il s'agit de grosses cylindrées. Celle-là, il leur fait des bras d'honneur, les encule à tour de doigts d'honneur. Les automobilistes ont peur. Hurlements délirants auxquels répondent des frondissements terrorisés. Peut-on tomber plus bas? On peut mourir. On peut mourir. Ceux et celles qu'on a ainsi abandonnés... meurent aussi, hein. Mais ils ont droit à moins de vie, tout simplement, après avoir vieilli plus vite que les autres. Bien. Voilà un premier panorama bouclé. Il est très partiel, il manque les gens du tube, les artisans, les personnes ubérisées, les unes, les autres, et toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaîtront pas dans les portraits brossés ici. J'en suis bien conscient. Mais encore une fois, cette traversée n'est rien d'autre que le fruit de quelques plongées anthropologiques en France, au terme de cette boucle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est peut-être opportun de se demander si on peut dériver de cette expérience des classes quelques enseignements quant au moment historique qu'on est en train de vivre. Peut-être l'évolution du mode de production. Moi, ce que je vois, c'est que la propriété des moyens de production, la propriété du temps, l'exploitation, la différence entre vocation et gagne-pain semble bien demeurer, comme dans le cadre d'analyse marxiste, les variables principales qui distinguent les classes. S'ajoute à cela la distance domicile-lieu de travail, la charge du trajet. L'espace aussi a changé. Il est devenu plan. Le sol des agriculteurs, comme la gestion des flux, se déroule dans une surface de circulation et d'intensification des flux des agents économiques et techniques. Tout se passe sur un plan de circulation de flux et pas dans les profondeurs et dans l'altitude. L'autre évolution importante, c'est l'accroissement du déni de classe, qui va avec la disparition des propriétaires qui ont quitté les châteaux. La disparition... L'accroissement du déni de classe qui est invraisemblable dans le fond. Comme si l'explicitation de la hiérarchie des classes et des violences symboliques était un point aveugle de notre vie sociale actuelle. Alors que les inégalités et les formes d'exploitation sont maximisées, nous n'avons plus les mots pour le dire. Les statuts pour les mettre en scène clairement. La violence sociale procède d'un ordre magmatique caché hors de la doxa des partis, des médias, des syndicats, de la presse et en dernière analyse du sens commun. Nous savons difficilement qui nous sommes. Nous savons à peu près justifier les inégalités, mais pas décrire clairement la hiérarchie sociale qui fonde l'ordre social. Voilà.
on pouvait dire, des classes à travers mes conférences de traverse, qui reflètent finalement mes traversées de la France. Et bien, j'espère que vous allez être capable de... Enfin, pas capable, c'est pas le bon terme, désireux de digérer tout ça, que ça vous aura apporté de l'eau à votre moulin à réflexion. Et puis, voilà, je vais pouvoir respirer après avoir pondu cette grosse conférence de traverse que je mettrai en ligne dans les jours qui viennent parce qu'il y a un certain nombre de corrections, je veux dire le texte. Hein. Et puis, je vais pouvoir plus librement repasser dans mes verbatims et puis repartir d'ailleurs en vadrouille dans la vaste France pour y recueillir des conférences de traverse. Sur ce, salut tes joies !